Yop, yop les amis, c'est Bitché. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo roleplay sur GTA 5 Online et pour l'épisode 10. Et donc aujourd'hui je ne suis pas seul. Voilà, je suis avec ces gentils amis. Bonjour Marcus. Salut tout le monde. Salut Bitchou. Voilà, très belle tenue en tout cas, les chaussures vraiment pas mal hein, avec les petits patins, hein. Tout est accordé hein. Tout est accordé, c'est parfait. Attends que je te regarde aussi un petit peu, voilà, un petit peu ouais. Vu que moi aussi voilà. Ils ont mon point de vue. Oh, regardez-moi ça. Ce petit Marcel et sa petite casquette. C'est bien, hein, c'est mais stylé. Quel homme. Quel homme. Alors là c'est le meilleur, attends, c'est le meilleur hein. C'est voilà, coucou, c'est Barbadule. Voilà, très jolie tenue. Ah. Marcus apprécie cette tenue d'ailleurs. Hein, oui, d'ailleurs, je vous fais un petit plan. Voilà. Il est fan. Voilà, c'est bon. Il est fan. Bien sûr, ma petite saucisse. Hey yo, saucisse le hipster. Voilà, ils ont le même t-shirt. Ils sont, c'est frère de t-shirt aujourd'hui. Oui, on est frère de t-shirt. Bah, oui, parce que voilà. Tous les deux, on est des hipsters tout simplement. C'est Marcus qui a copié. Ah. Oui, ça dénonce. Oui, mais finalement, j'ai plus de style que lui, quoi. Parce que bon, là, il voit pas trop mon look, mais regardez un petit peu, j'ai un short avec des fleurs bleues et des chaussures, voilà. Le bon goût. Hashtag. Ouais, c'est ça. Vu sur ma chaîne, regardez un petit peu ce style magnifique, quoi. C'est ça. Si vous voulez vraiment voir une tenue totalement incohérente et dégueulasse, allez voir le point de vue de Bleach. Tout à fait. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va faire les camionneurs de l'extrême. Regardez-moi ça. C'est joli. Oui. Qu'on a mis à peu près une heure à les trouver. Pour les trouver. Et à les ramener. Voilà. Voilà. Donc là, c'est mon camion, le premier. Voilà, oui. Ici. Et c'est voilà le. Peu. Attends, que je le montre un peu. Hein, Non, c'est fait exprès. C'est un camion, voilà, en fait. Oh, c'est celui qui est en meilleur état. Mais Saucisse, rappelle-toi, hier, il y a eu un peu les grèves. Et il y a des casseurs qui ont un petit peu cassé la vitre. Et on n'a pas eu le temps de les changer. Donc, bon, le truc qui est bien, par contre, c'est comme les camions sont très lents, on n'aura pas trop mal aux yeux. Ça fait la clim, c'est la climatisation. Saucisse avait chaud, du coup, j'ai laissé. Ouais, c'est la clim, bah oui, bon. C'est ça. Toi, il est bien ton camion? Oui, moi il est bien mon camion parce que il y a pas une petite vitre cassée ici. Hein. Bah oui, parce qu'en fait ils m'ont jeté un caillou quand je suis arrivé. Bon, bâtard. Yes, quoi. Et du pavé, coup, quoi. Barbara, la guerre est là et vous pourrez observer quand même, il n'y a pas une rayure. Franchement, un peu rare quand tu deux. Voilà, c'est ça en fait. Alors que moi, c'est Saucisse qui me l'a ramené ici. Donc voilà. Oh là là. On voit juste la différence. On peut dire une petite fierté pour la Miss qui a fait le café. Ah, Fanny, cool, j'ai perdu le contrôle. Tiens, Barbara, attends, bouge pas. Je te fais un petit Ryan, c'est pour toi ça. Ah, merci. Ah. Ok. Bon, bah écoute, je pense qu'on peut prendre la route. Hein. Oui, parce que finalement, on est là pour un petit bout de route. Ouais, hein. C'est pas si loin que ça, en fait, mais le problème, voilà. C'est que c'est lent. Voilà, puisqu'on a du bois livré qui vient d'Irlande. Et oui, ça vient de très très loin. Hein. C'est du bon bois. C'est du bon bois d'Irlande. Bon bois d'Irlande. Oh, Saucisse, qu'est-ce que t'es beau. Ah ouais. Tu aimes ma casquette. Tu me dis Bleachou quand. Ah mais non, j'ai plus ma casquette, j'ai quitté. Quand quoi, Marcus, qu'est-ce que tu disais? Quand on s'en va en fait, parce que moi, j'aurais Barbara en fait, j'essaye de la toucher de mon bras droit, mais j'arrive pas. T'es prêt, puis moi aussi, je le tends au maximum. Mais ouais, mais penche-toi un petit peu vers moi. Je me penche. Bon, pas de soucis, on va devoir faire des trucs cochons, sinon. Ouais, attends, vas-y. faut faire au moins la même chose chez vous, quoi. Je suis vraiment désolé. Bon, c'est un peu plus agréable. Je m'occupe du levier de vitesse. Vas-y. Ah non. Mais attention, ce levier est énorme. Allez, vas-y. Allez, c'est parti, du coup. Parce que sinon, on va rester là pendant 3 heures à parler de levier. C'est ça. C'est ça. On va parler que de levier. C'est ça. Alors. Bon, par contre, en RP dans un camion, c'est pas facile, mais bon. Oui, je t'avouerai. Bon, faut pas faire de manœuvre, hein, par contre. C'est clair. Bleach, t'as intérêt de faire le kit parce que là, moi en plus, j'ai retiré la carte. En plus. J'ai retiré le GPS. Attends. Donc là, c'est à gauche, là. Voilà. Oh putain, il m'a fait peur, le con. Ici, tu me suis. Il y a une voiture sur la gauche, là, Barbara. Il faudra que tu me dises un petit peu si tu vois des gens à gauche. Bah, ouvre tes yeux, Marcus, ouvre tes yeux. Ah, c'est sûr, ouais, mais si t'es à côté de moi, là, c'est. Non, c'est vrai que mes implants mammaires, ça doit boucher la vue. Tout droit, Marcus. Hein. C'est des implants mammaires. Bah, non, mais c'est bon, je te parle plus. Bah, attends, tu croyais quoi? Ah, je pensais que c'était du naturel. J'ai peur de taper la remorque sur le mur tellement. T'as vu? Ah, mais en vue intérieure, en fait, tu sais pas. Ah, vu que les rétros ils fonctionnent pas, ouais, non, mais les rétros sont sales. Ouais, j'ai un petit peu de poussière. C'est pour ça que mon expérience d'ETS va être très très utile. Bah écoute. Ou pas. Non, toi. Oh là là. Oh là là. Je sens même pas si je touche. Je sens même pas. Vas-y, c'est. je vois rien. On va perdre la prime, hein, je le sens.
Non, t'inquiète pas, mon employeur est assez sympa là-dessus. C'est bon. En fait, comment ça s'appelle, Bleach, quand tu fais ce genre de choses, faut vraiment que tu le prennes de l'extérieur. Ah ouais, c'est tombé. Et toi, t'as pris vraiment le virage de l'intérieur, c'était mort. Ouais, bah ouais, faut que je m'habitue, j'ai peur. C'est le bonheur du Nord. Il a de l'expérience. J'ai peur. Et oui, j'ai joué 40 000 heures à ETS2, je sais faire des marches arrière avec une remorque. C'est vrai? Ouais, bah regarde mes vidéos. Hein. J'ai déjà vu. Si tu regardais mes vidéos aussi. Bah j'ai déjà vu, excuse-moi, je suis pas Barbara, moi je regarde tes vidéos. Ah, quoi? Mais non, mais moi je regarde tout le temps dès les premières secondes. Mais non, mais Barbara, t'énerve pas, voilà. Il faut que tu restes de bonne humeur avec moi. Ah oui. Attends, là on va où là? Ici là? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Choisis ta voix, bordel de merde. Voilà, c'est bon. Par contre, il est au milieu. Mais là on doit faire. Il y a plus d'RP quoi. Ah, Barbara, tu veux que je te mette de la petite musique? Ouais, je veux bien, mais la musique. Si tu mets Barbara, dans la boîte à gants au fond là. Il y a un petit Bob Marley, je crois, hein, dans la boîte à gants. Ouais, petite Bob Marley. Ouais. Donc si tu pouvais mettre le son. Oh, mais attends, c'est pour tant pis, c'est pas grave, Osef. On passe au rouge. Qu'est-ce qu'il y a? On passe au rouge, c'est pas grave. Hein. Non, mais parce que voilà, le camion il va vachement trop long à repartir là. On prend quoi? On reste sur la gauche ou on va sur la file de droite? On reste sur la gauche pour l'instant. La gauche. On va tourner à gauche. Finalement, t'es pas tellement. Ouais, t'es pas au milieu de la voie, hein, Barbara. Il est vraiment limite la ligne. Je sais pas, moi j'arrive pas à me repérer avec ce truc. Non, mais c'est ça en fait. T'as vraiment pas l'habitude de. Plus c'est gros, plus j'ai du mal à manipuler. Oui. Bah ça, on va ça. T'as un peu de mal, hein, c'est vrai que. T'arrives pas à gérer la pression, mais je te comprends. C'est ça. Bah attends, déjà, là, le virage à gauche, je le sens mal avec les mecs. Sur en face, je le sens très très mal. Oui, bah écoute. Eh mais regarde, mais lui il roule au milieu, c'est n'importe quoi, il va s'en serrer entre nous deux. Ah ouais, en fait, il y a un PNJ. C'est à gauche, Bleach. Ouais, si mais touche à mon camion, donc, je démonte. Du coup, tu pars, tu prends vraiment jusqu'à la moitié de la route et après tu commences à tourner sur la gauche. D'accord, Marcus. Merci pour tes conseils avisés. De rien. Moi, ça fait déjà 6 mois que je suis camionneur. Ouais, il est. Ouais. Je crois que tu vis dans une grotte, moi. Hein? Je crois que tu vis dans une grotte. Eh oui, mais ça empêche pas. Oh, d'accord. Ah, ça se voit, tu commences à attraper un peu le bide à bière, donc faudrait faire attention. Le bide à bière. Le bide à bière. La bedaine. La bedaine, mon gars. D'ailleurs, Saucisse, tu me passes, oui, tu me passes une bidouze, il y a un pack à l'arrière là. une bidouze bien fraîche, une croix. On se fait une croix. Vas-y, attends, j'ouvre la glacière. Pourquoi tu fais l'accent du Nord? Je sais pas. Je sais pas. C'est pas fait exprès. Tu nous vises? Franchement, c'est pas fait exprès. Spécial dédicace, Marcus. Non, mais il y a du racisme tout le temps dans les propos de Bleach. J'espère qu'il n'y a pas de voiture à gauche. Bah, clairement. Non, voilà, les gens du Nord. Tous les camionneurs ont le petit accent du Nord. Non, mais pas tous. Le mec est en train de me foutre dans la merde, quoi. Non, mais en plus, t'as les captures précédentes, Marcus. On va pouvoir faire un truc contre lui. C'est comme si moi je faisais l'accent italien et puis on faisait genre, on parle tous italien, quoi. Les camionneurs, ils viennent tous. Ou alors Saucisse, il parle russe, quoi. Tu sais, entre Bleach qui parle style du Nord, moi qui parlerais italien et Saucisse qui parlerait russe à peu près, Barbara on sait pas trop, mais c'est pas très cocasse. Hein. Elle se cherche encore. Il y a des travaux, fais gaffe. Ok. Bon, là je sais pas s'il va y avoir des PNJ qui me collent. Est-ce que tu vois, Barbara, il y a un PNJ qui est en train de. Oh, ça sent l'accident, ça sent le constat là. Voilà, clairement. Attends, mais il est en train de me pousser l'autre là. Ça sent le constat. Il faut sortir clairement la régler son compte. S'il me retouche le camion, par contre, histoire. Attends, il y en a un autre qui arrive, mais je suis malade. En plus, il y a le train. Non, on est dans les quartiers difficiles. Putain, il y a le train. C'est ça. Mais il faut sortir de la ville. Mais qu'est-ce qu'il fait sur le trottoir? Est-ce que t'as verrouillé les portes, Marcus? J'ai un peu peur là. Bah écoute, ils ont déjà cassé ma fenêtre gauche hier. J'ai la barabine, t'inquiète pas. Il y a un petit coup Barbara à limite. Attention, il force, hein, il veut passer. Ah, hein, mais en plus, c'est le rouge, il avance pas l'autre devant. Bon, Barbara, dis-lui d'arrêter de faire ses conneries là. Mais allez, avance! Bah attends, tu veux que je monte ma poitrine par la fenêtre? Oula, carrément! Non, ça c'est pas pour eux, ça. Oula, qu'est-ce qu'il fait lui? Mais le motard il est pas sur rouge quoi! Eh vas-y! Attends, mais Mais les PNJ ils font pas du RP eux! Et regarde-moi ça, t'as vu ça! Attends, mais je suis pas pour te suivre, hein, Bleach! C'est un guet-apens là, je crois! Écoute, Marcus, il veut nous piquer la cargaison! Si tu peux passer au rouge, passe au rouge!
Parce, que, parce qu'on va se faire défoncer. Mais on est en circuit, regarde, ils se sont mis en travers et tout. Non, mais là, clairement, ça. Allez, avance, toi. Ah, c'est bon, allez, on accélère. Ouais, allez, vite. Ils veulent voler notre cargaison. Ouais, ils veulent piquer la cargaison. C'est ça, on va, ils veulent piquer le bois, quoi. Ouais, on veut piquer du bois. GG à eux s'ils arrivent à y aller. Pas pour tout le monde, les gars. Calmez. Mais putain, mais avancez. Eh, qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Avance. Eh, faut vraiment sortir de la ville. Oh là là. Mais surtout ici. Le carnet. Voilà, hop, c'est bon, j'y vais, je passe. Ouais. C'est bon, on peut y aller. Voilà, attends, je suis au rouge. Mais ils sont fous ici. Eh, faut non, mais arrête ici. Hein. C'est vraiment des. Barbara, dis-leur de se calmer là, prends le mégaphone. Allez. Oh. Ouais, on passe au rouge. Hein. C'est ça. Oh le délire. Non, mais Saucisse fait quelque chose, quoi, je sais pas. Mais je vais sortir, hein. Je vais sortir avec la. T'as pas senti une résistance, Marcus? Sors ton doigt, Saucisse. Oh putain, un peu, mais sors ton doigt, tiens, regarde. T'as le PNJ dans le train. Ah, foireux, tu vas rouler. Mais c'est des tarés, le PNJ a foncé dans le tramway, quoi, normal. Mais oui, mais c'est. Los Santos, c'est une ville un petit peu, voilà, quoi, c'est chaud, quoi. Putain, c'est vraiment des tarés, quoi. C'est psychopathe, le mec. Non, mais je t'ai dit, on est dans le mauvais quartier, hein. Ah, mais je connais ce quartier, j'ai vécu ici un peu. C'est voilà. C'est, un peu le Bronx, hein. C'est ça, c'est comme tu si tu vas à New CJ, York. Du coup, voilà. Ouais, CJ. CJ. Ouais, bien sûr, je le connais, CJ. Ouais. C'est mon pote. Je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent pas CJ. Quoi. Ça se passe bien. Ouais, ça se passe bien, et toi, Marquis? Et toi aussi, ça se passe bien. Attends, bah écoute, ça va. Le truc qui est bien, c'est quand je te regarde, tu me regardes. Je suis à ma 8ème bière. Eh, mais par contre, tu me lances parfois de ces regards. Des regards un peu comment, ouais. Ouais, petit. Genre un petit peu. Non, en genre. Bleach, c'est pareil, il me dévore des points de l'œil. Bah, y a pas mais là, que... mais là Barbara, elle est. Voilà, non, mais on attendra d'être sur le. Allez, allez, avance, toi, le potard. Et, non, mais tu sais ce qu'on. Attends, on va faire mieux. Tu vas pouvoir mettre le régulateur. Mais les fuirs, on fuit. C'est ça. Mieux. Vivement qu'on atteigne l'autoroute, là, Barbara. Non, mais tu sais comment s'appelle Barbara, on fera ce que j'ai dit, tu sais, on fera une petite rotation du siège à 45 degrés vers la fenêtre. Le dossier vers la fenêtre et on fera ce qu'on a dit. Bon voilà, les amis viewers, j'espère que vous avez pris un café, un coca, parce que là vous avez le temps, donc n'hésitez pas. Hein. Eh oui. Ouais, et qu'est-ce qu'il fait, écoute, lui, avec son camion? Moi, finalement, je peux pas mettre la radio, hein, parce que bon, j'ai pas pris mes CD en fait. Moi non plus. Oh là là, mais c'est pas possible. C'est bon, on a la collection. Oh, on a la collection. On est en train d'aller avec Freddy Mercury. Avec Biche, finalement. Ah, nous, c'est Freddy Mercury dans la voiture, tranquillement. Ouais. On ambiance, quoi, avec Saucisse. On a enlevé nos t-shirts. Ah, bah là, c'est bon. Ça. Je suis en sueur, là. Ah, bah. Je suis en sueur. Est-ce que ça colle sur les sièges? Ah, bah écoute, sur le cuir, là, je peux te dire. Ouais, j'ai pas la clim, je l'ai cassé. Ah, ouais, Barbara, regarde, toi aussi, hein, on est sur du cuir. Hein. Ouais, en sur tout du cas, cuir, le matelassé, coup de port est modélisé. Voilà, quoi. Par contre, j'ai l'impression que. C'est une image collée, quoi. C'est ça. Eh, Bleach, t'as en vu FS, là? Oui. En fait, t'as l'impression que t'as la tête dans le volant, en fait. Ah, je te jure, on est tellement prêts. Ils auraient dû faire une vue un peu moins proche, hein, parce que là, ça perturbe un peu. Hein. Suis-moi, Marcus, va sur cette voie-là. Ouais, c'est surtout un FOV un peu plus élevé. Ah, putain, c'est rouge ici, quoi. Oula. Chier. On tape tous les rouges en plus, quoi. Ah ouais, laisse tomber cette ville, trop de rouge, quoi. Wesh. Trop de rouge. Wesh. Wesh, laisse tomber. Trop de rouge, tu le rouges. Il est quelle heure là? Putain, 13h déjà. Ouais, putain, on a pas le temps de manger, quoi, bordel de merde. Non, en plus on a un patron qui est assez. Voilà, quoi. C'est ça, me saoule, ça me saoule, j'ai acheté un camion, les rétroviseurs ils fonctionnent pas, quoi. C'est des. Ouais, c'est trop dommage. C'est des miroirs sans teint, quoi, fais chier. Les miens ils sont sales, je vois rien. J'avoue, il y a 3 mm de poussière dessus, quoi. Ah, laisse tomber, quoi. Non, ils auraient pu faire des beaux rétroviseurs quand même, c'est con. C'est cool. Alors, vas-y, moi je passe, hein. Mais je sais pas ce qu'ils font. Putain, mais t'as à peine décollé, le feu est rouge, quoi. Oh, mais vas-y, trace, hein. Voilà. Oh là. Attention, le virage. C'est bon, il passe le virage, nickel, non? Ouais, t'as failli arracher le poteau. À droite gauche. Bah, toi hop, aussi, là. Marquis. Ah bon? Ah bah, tu vois, regarde, il critique, mais il est pas mieux. Non, mais. Ah, mais comment ça s'appelle? Moi ça va, on a le truc, c'est qu'on me voit pas, quoi. Oh oui, je fais du Euro Truck Simulator. Oui. 40 heures de jeu. J'ai fait le tour du monde dans mon camion. 40 heures. J'ai fait des rencontres avec dans mon camion. Ah mais attendez, moi j'ai été, comment on s'appelle, en Angleterre et jusqu'en Finlande. Ah ouais. J'ai pas été dans le Pays de l'Est, mal. Parce que les routes sont vraiment merdiques. Ah mais en tout cas, dans le Pays de l'Est, les femmes par contre, elles sont plutôt pas mal. Hein. Apparemment les Finlandaises voilà sont vraiment pas mal aussi, hein. Ah ouais? Ah ouais. J'ai jamais été. Et toi Barbara, et les Finlandais? Les Finlandais? Ouais.
Qu'est-ce que tu penses? Moi, par les Jamaïcains, je connais pas. Ah bon? Non. Même les Français? Bah si. Quand même, j'allais dire. Bon, sinon, Blichou, là, est-ce qu'on sort de la ville? Bientôt. Finalement, on va. Moi, je suis mon GPS, hein. C'est la dernière version. Il est déjà presque 14h, hein. Ah, mais c'est la ville, c'est chiant, quoi. C'est blindé, quoi. C'est hors de pointe en plus. Hein. Merde, le con! J'allais dire, c'est l'heure de pointe. Excuse-moi, Barbara, je me demandais quand t'allais avancer en fait. À gauche. Attention, tu vas toucher derrière. Quoi? J'ai touché derrière? Ouais, t'as touché. Oui, t'as vu ce qu'il a fait avec son break. Ouais, j'avoue, il a fait un petit. Le mec, il a fait un dérapage normal et tout. Marcus, on est presque à l'autoroute. Non, mais moi, en fait, je t'explique, Barbara, en fait, j'ai pas démarré parce qu'en fait, j'étais en train de te regarder. Mais. Lui, il veut se garer. Toi bien, c'est mignon. Mais qu'est-ce qu'il fait, l'autre? Il me passe devant là. Ah, il voulait juste la place, en fait il est pressé. Hein. Ah bah attends, faut attendre Marcus parce qu'il est 13h, il a faim. Vous êtes où en fait? Vas-y, là, il faut que j'aille où? À gauche? Voilà, regarde, à gauche, à gauche, à gauche. Ah ouais, à gauche, à gauche. Bah de toute façon, tu peux pas aller. Je m'arrête à la pompe à essence. Ouais, fais le plein, vas-y, c'est pris coûtant. Non, je prends pas le risque de rentrer là-dedans. Vas-y, il va tout faire sauter. Vas-y. Tente-le. J'y vais pas. Tente-le, Blich, vas-y. Avance. T'as la place là. Non. D'accord, ok, bon, mais on fera pas le plein alors. Non, on fait pas le plein. Ma pompe est toujours pleine. D'accord, ok, t'as toujours du carburant toi. Voilà, t'as tout à compris. Oh non, mais sérieusement, on se tape tous les feux. On se fait chier. Je le vois au loin. Oh putain, mais. Non, mais il y a 40 accidents dans cette vidéo, quoi. C'est un truc de ouf. Mais c'est des ouf, les mecs. Et avance! On t'avance un peu, Blitch, là, t'es un peu en crabe, là, t'es un peu sur la route. Hein. On rattrape bientôt l'autoroute. Mets-toi bien sur le trottoir, là. Attends, si, on peut y aller, tu peux y aller. Attention, il y a un PNJ qui traverse. Il est au milieu de la route avec son téléphone, il a rien compris. Ouais, non, mais c'est un fou. Allez, putain. Oh là là, oh là là, oh là là. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu mords les trottoirs. Mais non. Tu as bien pris, Marcus. Mais non, t'es écrasé un chat. Mentier. T'as écrasé un chat. Ah, mais tellement fort, Marcus, c'est bizarre, quoi. Tu peux me le dire encore d'une manière plus sensuelle. Oh, c'est vert, j'en profite. Putain, là, je trace. Fais gaffe, il y a une voiture, il savait pas où trop aller, il voulait tourner à droite, mais apparemment non, il avait décidé. Ah, ça veut dire qu'on va se taper tous les verres, donc vas-y. Vas-y, trace. Appuie sur le champignon. Je suis à fond là. Allez. Ah, c'est rouge. Fred. Oh. Putain, mais comment tu piles devant? Ah oui, mais. Surtout, n'oublie pas de freiner, hein. Attends, je fais une petite marche. J'ai sur le passage piéton, quoi. Non, recule pas. Voilà. Ah, si c'est vert, c'est bon. Go. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, PNJ, là? Wow, il est pressé. Il est passé au orange. Moi, de toute façon, depuis tout à l'heure, je prends que les oranges et les rouges, alors. Mais oui, mais il faut sortir de cette ville pourrie, là. Je crois que j'ai un petit peu percuté ton véhicule. Mais ça va, j'ai pas trop. Voilà, j'ai percuté à 2 km/h. Oh là, il va nous rentrer dedans, là, ta gauche. Mais. Ah, oui, il va nous retourner. Qu'est-ce qu'il. Mais qu'est-ce qu'il fait? Vas-y, accélère! Go! Allez! Attends, parce que. Tant qu'il démarre le bordel! Oh là là! On va pas finir, on va pas pouvoir. Non, tu t'inquiète pas. On va pas y arriver! T'es confiant, j'ai 10 ans de métier. Ça se passe. En fait, comment ça s'appelle? On avait dit qu'on allait faire un aller-retour, mais finalement, on regarde. On s'arrête à la série en fait, hein. Voilà, c'est ça, ouais. Petit Marcus, 3 quarts d'heure. Je pense qu'un aller suffira. Oui, parce que t'étais trop ambitieux en fait. Parce que ouais, voilà, finalement, parce que Marcus voulait faire un petit aller-retour, un petit crochet par voilà. McDonald's. Il voulait faire. Oh, vas-y, les marques, vas-y, Quick et puis Quick, KFC et Burger King. KFC et puis. Comment tu veux? Non, en fait, ouais, j'avais prévu un trajet un peu. Enfin, plus de choses, mais finalement, non. Ah oui, parce que. On fasse une petite partie de fléchette, un billard. En fait, on a un petit peu sous-estimé la durée du trajet. Non, on a sous-estimé la durée pour sortir de la ville. Ah ouais, non, mais c'est la ville qui nous a fait chier en fait. Hein. Parce que bon, finalement, tout à l'heure, ça s'est bien passé quoi. Ouais, donc, voilà. Joseph, feu, du stop. Plutôt. Mais c'est la première fois qu'il y a autant de circulation comme ça avec autant de bugs. C'est l'été. Enfin, c'est même pas des bugs, c'est juste des PNJ en mode foufou. Ah, c'est le mois de juin, hein, c'est l'été du coup. C'est là, le mois de juin. C'est vrai. Et les touristes commencent à arriver. Les jeunes filles commencent à mettre les mini shorts et la petite t-shirt. Il y a de moins en moins de tissus. Si, c'est à moitié à poil. Ça. Ah bah écoute, là. Ouais, c'est pour ça, Barbara. Hein, c'est pour ça que j'ai mis juste un short. Hein, c'est pour que tu puisses voir mes mollets. Hein. Du coup, je suis en train de, ouais, de coller sur mon siège. Oh là là, qu'est-ce que tu. J'ai esquivé, c'est bon. Ah, c'est à gauche, hein, Marcus. Je suis en nage là dans mon siège. On arrive sur l'autoroute.
Et il est 16h, hein. Il faut qu'on livre la marchandise le plus rapidement possible. Hein, d'après clairement, je crois que c'était notre dernier voyage. C'est ça. On va être viré. je crois bien qu'on va être envoyé. Ouais. J'espère que ça t'aura fait plaisir de faire ce dernier voyage avec moi, Barbara. Ah oui, tout à fait. Et qu'est-ce que tu fais dans... Mais oui, fait, Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous faites dans le camion? J'aimerais bien savoir. Bah écoute. Barbara, depuis tout à l'heure, elle essaye de tendre sa main gauche vers moi, mais. Tu vois, mais il est pas réceptif, donc. Non, mais c'est pas que j'ai. Non, mais c'est pas que j'ai réceptif. Il va se la mettre derrière l'oreille ou doit. Bah là, clairement, il va se la mettre derrière l'oreille. Mais voilà, comment ça s'appelle? Pendant 2 mois au moins, il va se la mettre derrière l'oreille, quoi. Ah ouais, non, mais ça va, après. C'est la folie, quoi. Non, comment s'appelle Barbara là? Elle a des petits bras, quoi. Ah. Comment ça s'appelle quand elle tend le bras vers moi en fait elle arrive pas quoi. Non mais puis en plus je suis vexée, t'as dit que j'étais pas manuelle donc Ah bah non mais j'avoue que t'es pas très manuelle avec tes doigts. Hein. T'es pas manuelle avec tes doigts. Ah putain. Oh là là mon dieu. Oh mon dieu. Tout le monde sous-entendu. Some mec. Attends, je vais mettre sur la voie de droite, j'espère qu'il y a. Non. C'est Barbara, il y a du monde à droite ou quoi? Il est passé le PJ. Tu peux y aller. Mais toi, tu changes de fil, t'es un psychopathe. Bah, je vois rien. Mais oui, je me doute, mais bon. Ça passe ou ça casse. Mais, mesdames et messieurs, voilà, maintenant à partir de là, ça va être très très rapide. Voilà. C'est vite dit, mais bon, ça va aller vite quand même. Non, regarde, il reste 6,84 km. Oui, bah écoute, voilà. Là, je suis pied au plancher là. Pareil. On est chargé. On a du gros bois. Hein. Oh là là, t'as vu le PNJ là? Gros bois. Hein. Gros. Ah ouais. Grosse boutade, gros calembour. Hein. Il y a beaucoup de gros trucs. Hein. Ouais, de gros morceaux. Hein. Attention. Des gros morceaux, des gros rondins de bois. Gros beefsteak. Hein. Attention. Oh mon dieu. Vous êtes vraiment des tue-l'amour quoi. Quoi? Des tue-l'amour ça veut dire? Bah pourquoi tu dis ça? C'est toujours subtil hein. J'arrive bien à savoir pourquoi. T'as vu ça tellement subtil. Bleach ralenti. T'es où? J'avoue. Ah ouais ça gros avance gros pas derrière de steak, vas-y quoi, je me mets sur le côté. Ah bah en fait il y a Avance un peu je te dirai. Je vois mes voix rétro. Tu peux y aller. Attends parce que t'en qu'un démarre le bordel. Oh putain! T'es sûr tu veux pas que je finisse, Bleach? Tu m'as l'air fatigué là, je te sens. Bah la route, hein, parce que route. Un peu fatigué là. Bah comme tu veux, écoute saucisse. Vas-y, garde-toi sur le côté. Attends, bah j'ai. Mais non, vous faites chier! Pourquoi? Bah j'avais pris mon élan quoi! Mais c'est bon, on est en descente. Oui, mais c'est pour ça, on s'arrête plus. Vas-y, passe Marcus, passe, t'inquiète pas. Non, il faut pas rester devant. La sécurité avant tout, Marcus. Faut que tu te reposes hein, parce que t'es fatigué, je veux pas avoir un accident. Moi je suis pas fatigué, moi. Vas-y. De toute façon, tu me laisserais même pas le volant, voilà. Ah, ça fait bizarre. Macho. Alors attends, je règle le siège. Tu veux conduire? Non. Non, mais si tu veux conduire, tu me le dis. Ah non, je vais pas conduire. Moi par contre, je vois pas si. T'inquiète, moi je vois, t'inquiète pas, j'ai mes rétro, moi. Ok. Ouais, c'est parti, Marcus. Il est Barbara. Ouais, vas-y. Vas-y, mets-moi la radio, oblige pas. Ouais, alors en fait, chérie FM. Okay, on a eu chaud. Eh, hey, t'as vu là, les bagnoles ça se l'allume, hein. Ah, mais comment ils me doublent, mec? C'est des tarés. Oh putain, voilà. Ouais, conduite. Oh la meuf, quoi. Oh les gars, oui, dans la peur, là. Quand on arrive en ville. Quand on arrive en ville. Attention! Putain, l'accident! T'as vu l'accident? Ouais, j'ai vu. On l'a à peine, vu. Non. Tu m'en veux pas, mais je m'arrête pas. Hein. Mon assistant, c'est personne en danger, mais là je m'arrête pas. Je suis dans mon élan, je me coupe pas. Mais pourquoi nous on avance pas vite comme ça là? Ah, peut-être c'est pas accélère. De quoi c'est moi? Et j'ai pas mis mon pied sur le frein. Non, mais il faut que tu grimpes sur mes genoux pour que ça aille plus vite. Voilà, attention, parce que le copain Barbara va pas apprécier. Le copain qui n'existe pas. Voilà. Bah qu'est-ce que t'en sais? Oh, on le sait tous. Un copain? Oh là, elle met bah, de l'eau sur le feu. Ah bah non, bon, d'accord. Je sais que t'en as pas à partir de là, c'est désolé, bon. Désolé les gars, laissez tomber. Bah non, mais c'est toi Marcus, non? Bah oui, c'est pour ça, après, à partir de là, on s'en fiche. Ah donc c'est officiel? Bah ouais. Oh là là. C'est officiel.
Là, vous lancez une bombe hein, quand même. Hein. Ah bah, ouais. Là, vous allez casser YouTube là. Là, ça fonctionne plus quoi. Bah, du coup, après, YouTube hors service. C'est bon parce que Urban n'est plus célibataire donc. Ouais, comment on s'appelle? C'est pour ça. Je fais pareil dans YouTuber Life. Vous allez faire la couverture. Je me suis trouvé une petite amie via internet. Comment s'appelle là, quoi. Tu vas faire la couverture de public, hein, Marcus. Je m'en rappelle plus. Ouais, Marcus. Ah mais là, clairement, ça y est, on va être. On va voir Marcus et Quintin sur le Barbaron scooter. Ah non, le The couple of the gaming. C'est vrai, un gros le couple. Hein. Gros. Qu'est-ce que tu dis? Gros couple, comme il dit saucisse. Oui, il y a beaucoup de gros trucs dans la couche de saucisse. Ouais, hein. C'est vrai. Oh, putain, c'est bizarre ce que tu m'as dit. C'est double sens de malade. C'est double sens. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment très bizarre. Gros truc dans la bouche à saucisse. Putain, mais en vrai, déconcentré. Oh mon dieu. Oh, saucisse, qu'est-ce qu'ils disent? Ah, mais c'est de votre faute là, à dire gros tout le temps là. Marcus, ça grosse mal. Conversation. Qu'est-ce que tu fais là, saucisse? Oh, je teste un petit peu la direction. Ah, bah, vas-y, par contre, on se traîne, mais un truc de ouais, ouf. Ouais, nous on trace, hein. On a des chevaux nous sous le capot, attention. Oh, tu dis que tu traces, mais finalement tu t'éloignes pas non plus. Hein. C'est vrai, c'est pas faux. Saucisson là Oui. Attention, je pense qu'il va falloir que t'as pris un peu de sang. Ah bah là, je suis à fond là, t'inquiète. Ouais, mais on est chargé, on a la bière et tout nous derrière. Ah écoute. Ouais, on a un pack, hein. Attention. Moi finalement je vous ai tout laissé quoi, bon. Moi, j'ai juste pris Barbarin. Ah. Bah le meilleur finalement. Ah oui. Je n'avais besoin de rien d'autre. Oh, c'est trop mignon. Marcus 2016. C'est trop mignon. Oh là là, cette vidéo comporte des phrases mythiques. Ah, qu'est-ce qu'il est romantique. Qu'on se tiendra encore dans 10 ans. Voilà, voilà. Gros truc de la bouche. C'est juste que je suis. Mais qu'est-ce qu'il me rentre dedans, lui, sérieusement? Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Et en fait, c'est une voiturophile, en fait. Ah, il aime se frotter aux autres véhicules. J'aime me frotter aux voitures. C'est ça. J'aime me frotter. Putain, je me suis Frottman. Frottman, c'est ça. Je suis Frottman. Mais j'avoue, là, il fait quoi l'autre derrière là? Il veut nous embrasser. Je sais pas, il fait. Putain, genre. Il y a l'homme derrière toi. Je reçois des SMS là, des gens que je connais pas, ça me saoule. Je crois que tu lui as fait des pires. C'est qui? C'est Martin encore? Non, la Captain Price là, qu'est-ce que je m'en fous? Captain Price. Ouais, et puis il y a aussi Libip. Oh, on est bientôt arrivé. Oui, on est bientôt arrivé. Il est là? Quelle heure? Il est 20h. Pas rare, regarde sur la gauche. On a mis la journée hein, pour. Ah, c'est magnifique. Écoute, j'espère que tu profites de la vue parce que moi en vue FPS je vois absolument que dalle. J'avoue. De la vue. Moi aussi je vois rien. Mais bon, voilà, c'était un voyage aussi pour toi vu saucisse, que tu conduis trop. Droit comme un piquet. Ouais, bah quoi écoute, vu que tu ne sors pas trop, ça me fait plaisir de te sortir. Carrément. Mais j'y vais pas, c'est pour une vieille fille. Avec ses chats chez elle. Grave. Avec, et c'est avec ça, ses chaises, son point de croix. En train de tricoter une écharpe pour Marcus. Oui, elle m'a tricoté un petit squeeze avec slip en laine. Un petit slip en laine. Non, mais nous, c'est bon, on n'est pas en vieux couple. Non, mais tu prends. Modern, jeans. Barbara. C'est ça, hein. Nous, on prend des matières totalement synthétiques. Il hydrate bien. Enfin, on sait tous que t'es obligé de prendre du Viagra, mais. Oh putain, carrément. Oh là là, ça va. Oui, mais. Gros, finalement, gros dossier, hein. Gros dossier. Finalement, tu prends cher pendant. Ah non, là, pour le coup, c'est plus un petit dossier. Hein. Oh, putain. Plus de 18 ans, Peggy 18. Là, c'est. Attends, Marcus. Marcus aussi, ça fait gaffe. Ah, t'inquiète, non, lui devant lui, je crois que. Ah, mais lui, il est bourré devant, t'inquiète, hein, je fais garde ma ligne. Regarde les écarts qu'il fait. Ah, pas à droite, aussi. Allez, on y va. Ah, tu m'as cherché, Barbara. Hein. Attention. Ah non, mais ça, c'était ouais. Par contre, est-ce que tu vas réussir à monter là-haut sans grabuge? Oui, t'inquiète. Vas-y, c'est toi qui vas, voilà. Tu m'as taquiné un peu dans le virage. Est-ce que tu t'es bien reposé? Non, non, mais c'est de bonne guerre. À droite, là, ici, là, regarde là. Tranquille. T'inquiète pas. Aussi, je m'inquiète un peu. Mais un peu. Non, regarde. Il y a un hôtel à côté, on pourrait se reposer là, quoi. Si j'étais avec Marcus, là je m'inquiéterais, tu vois, parce que bon, Marcus. Un motel, c'est mieux. Non, Marcus, il y a Euro Truck Simulator, je te rappelle. Non, ah, c'est vrai. C'est easy. Eh oui. Pas que Euro Truck, hein. American Truck aussi. Ouais. Hein. Aussi. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas joué, faudrait que je regarde, apparemment ils ont rajouté une autre région. Tiens, Marcus, est-ce qu'on peut jouer en ligne d'ailleurs?
question. Oui. Ah, d'accord, ok. Ouais, et en fait, il voilà. y a un mode qui te permet de jouer en ligne, hein, et d'avoir tous les camions, même des camions qu'il n'y a pas dans le jeu. En fait, t'as vraiment une, comme tu pourrais dire, une grosse communauté. Grosse communauté. Sur ces deux jeux-là, et finalement, tu peux faire énormément de choses. Ah bah voilà. Écoute, c'est bien passé quand même. Eh René, on a ramené ton bois. Descends. On t'a ramené les troncs. Ouais. Putain, mais les mecs, ils sont tous partis là. Aïe, aïe, je me suis tombé dans l'escalier. Ouais, apparemment. Et je pense que là, on est arrivé un peu trop tard, Blitchou. Hein. Bah merde, bon, du coup, on laisse Moi, ce que je te propose, c'est que. On descend à pied, on laisse les camions là. Bah ouais, du coup. Et qu'on s'appelle, de toute façon, ils ont notre numéro de téléphone, on va vite fait en bas de. Tu sais, à l'hôtel en bas là. Ok, bah c'est parti. On va se mettre sur le parking et puis on va boire un petit peu avant de dormir. Il y a saucisse, c'est raide. Ça glisse. J'ai des Converse. Te casse pas une cheville, saucisse. C'est vrai que finalement, c'est vrai qu'on a des belles chaussures et tout. Barbara, elle adore se rouler dans la boue. Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait là? On va où là? On gambade dans la nature? Non, mais je t'ai dit, on redescend là à l'hôtel en contrebas là. Bon, par contre, il faudra faire gaffe en traversant la route, hein. C'est très très dangereux. Et bien sûr, il faudra pas se faire écraser, ça serait bête quand même, après autant de trajets. C'est ça. Mourir écrasé quand même, ça serait. Oui, c'est vrai. Allez, moi je remonte hein, sur le chemin. Oui, mais moi aussi je te suis. Hein. Ah, j'ai salopé mes chaussures. Ouais, mais moi aussi. J'ai salopé. Bon, ça suit derrière, il en manque un. Allez, ouais, ça suit. Il y a pas le petit. C'est juste. Bah non, mais j'hésitais un petit peu de pas trop, comme disait Saucisson, de pas trop saloper. Voilà. Des choses quoi. Allez putain, on improvise une course. Oh putain. Eh, hey, on peut. Eh hey, non, mais on est peut-être pas obligé de traverser. On peut passer par dessous le pont là. Pas sous le pont. Ah mince, moi je traverse. Moi j'aime le. Traverse. Ah mais il y a des rebondeurs aussi. Attends, bah, écoutez, Barbara, tu viens que... on va sous le pont. C'est assez sombre et humide, c'est cool. Ouais, il y a Beach avec nous. Ah désolé. Bon bah ceux-ci sont d'attendre pas. Hein. Ouais non mais vas-y, commencez, hein, j'arrive. Commencez, j'arrive. Oh mon dieu! Bah, m'attendez pas, hein, j'arrive. Mais mettez-vous en condition! Oh putain, je suis à fond là! Je suis à fond! Ouah, c'est bon, j'ai gagné! C'est l'hôtel, l'hôtel ici? Est du... Ah bah ouais, on va aller là! Regarde, il y a la petite table qu'il faut là! Non, Barbara, t'arrêtes pas comme ça devant moi! Attends. Regarde à gauche, à droite! Je vais te foncer dessus après! Personne dans cette ville! Non. Ah non, mais là, je pense que. Oula. Il est beaucoup trop tard. Hein. À la limite, on peut boire un coup là, puis c'est tout. Hein. Bah oui, une bière. Allez, alors, parce que là, je pense pas comment ça s'appelle qu'on pourra. Dormir ici, hein. Y a pas d'hôtel, je crois. Hein. Eh, soucis, t'avais pris le pas, comment? Non, en plus, j'en ai pas. Ah bah, tu retournes au camion. Bon, bah écoute, on va manger Moi, j'ai une cigarette. Hein, bon. Moi, j'ai du pot, j'ai pris une bière dans ma poche, donc bah écoute, j'en ai une. Ouais. Moi aussi, ça tombe bien, regarde. Regarde bien, saucisse, regarde bien ce que je fais. Elle est bonne, la bière. J'en ai pas, en plus. Elle est bien. On a pas. C'est pas grave. Ah bah non, non bah, ça fait grossir vos bières, m'en fous. Ah, c'est de la bonne. Je peux t'en jeter une, non? Regarde, si, regarde. T'es où? Attends. Comment tu fais? Ah oui, vas-y. T'en as une là, pas par terre? Non. Non, t'as rien? Si, regarde là. Elle est sous la table là. Mais comment tu fais pour jeter? Bah, tu prends ta main, tu la sors de ta poche. Ouais. Merci, bitch. Non, voilà, ceci. Tu prends ta main? Non, tu fais triangle, banane. Je savais que je pouvais compter sur toi. Mais attends, moi, elle est pas sortie. Mais si, normalement, elle tombe par terre. Voilà, t'en veux une saucisse? Allez, je paye. Ah, vas-y. Allez, ok. Paye ta tournée. Attends. Ah, bah, je peux plus le faire. Ah, je pouvais t'en passer qu'une, désolé. Ouais, Mimi, je peux te passer un coca. Tiens. Vas-y, donne-moi un coca. C'est un zéro, moi, sur moi. Ah ouais, on peut. Eh, hey, Barbara. Oui. Elle est où? Santé. Ah, c'est bon, je l'ai ramassé. Ah, si. Attends, j'en ai plus. T'en as plus? Moi, j'en ai encore. Fais avec du coca. Je prends une clope. Oh, voilà. Ah, fumer des cigares. Ah, comment tu m'as tourné le dos? En même temps, tu fumes des cigares, c'est dégoûtant, quoi. Ah ouais. Bah attends, et par contre, je commence à fumer. Si fume, ils vont dire rien. Tu sais très bien que comment ça s'appelle, je déteste embrasser un cendrier, quoi. 10 sur 20. 10 sur 20. 10 sur 20. Ah mais t'as pas ce son. Oh pardon, c'est il est bourré. C'est ça. C'est la bière, ça commence. Il a l'alcool mauvais, quoi. Et attends, tu peux jeter des cigarettes? Je sais pas. Appuie deux fois sur les. Ah ouais, il est en bas, regarde. Bière encore si tu veux. Vas-y. Attends. Elle est où? Ah oui, elle est là, c'est bon. C'est bon? Ah oui. Vas-y, tiens, fais-toi plaisir. Ah ouais, vas-y, tiens, je te jette des bières. Donne-moi des bières. Moi, je vais fumer une cigarette.
Ah, c'est vraiment la France d'aujourd'hui, je pense. Non, je pense, les gars, qu'il faudra pas trop. Je pense qu'il faudra pas trop rester ici parce que regardez, on a laissé un petit peu 40 bouteilles, 40 cadavres par terre. Ah ouais, c'est vraiment dégueulasse quand même. Un peu salopé. C'est bon, je pense qu'il faut partir. Faut partir. Tant qu'il y a personne, faut y aller. Voilà, c'est ça, parce qu'après, ils vont nous dire. On va appeler la police si vous ramassez pas vos cadavres. Non, mais je pense qu'on est mort avec les caméras de sécurité. Non, mais t'inquiète, c'est un truc tout pourri, il n'y a pas de caméra, voilà. C'est pour faire genre, elles sont débranchées. Et quand bien même il y a des caméras, c'est des caméras qui sont en résolution 144p, en noir et blanc, avec des gros pixels. Ouais, mais bon, à la limite, même en 144p, on te reconnaît, Marcus, avec ton short. Cowboy. Oui, bon, éventuellement, comment ça s'appelle, je dirais à Barbara qu'elle me prête son mini short et elle prendra mon short à moi. Au pire, sinon, on fait des cas, effectivement. Si c'est juste le short qui pose problème, c'est bon, quoi. Non, mais je pense qu'il y a des trucs qui dépasseront, en fait. Ah bon, quoi? Quoi? Bah vas-y, quoi? Nous t'écoutons tous, tout ça. D'accord, ok. Bon, bah, je pense qu'on a accompli notre mission. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je pense que c'est good. On s'est bien fait chier dans la ville. Je pense que, ouais, c'est vrai que la ville, c'était un passage très. Très jouissif. Très long aussi. Très, très jouissif. Hein. Ouais. Très pénible. Grosse circulation. Ça a vraiment permis de nous connaître encore un peu plus. Gros embouteillage. Ouais, c'est ça. Voilà, donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, les amis. Cette petite balade en camion. Cette petite livraison de bois irlandais. Irlandais. Des gros arbres irlandais. Hein. Voilà, des gros, hein. N'oubliez pas, retenez bien la phrase gros chose dans la bouche à saucisse. Ouais, c'est ça, c'est la phrase de l'année. Finalement, il y a eu des grosses révélations et des grosses anecdotes dans cette vidéo. On lance donc n'hésitez pas. Sur Twitter, grosses choses dans la bouche à saucisse. Et on me met ça en TT, s'il vous plaît. T'imagines. Et à la limite, ce que vous pouvez faire chez Mi, c'est de noter dans les commentaires toutes les grosses phrases qu'on a pu dire. Voilà, n'hésitez. Vraiment les phrases qui vous ont le plus marqué. Il y en a trop. Mais je pense que des grosses choses dans la bouche à saucisse, ça va revenir. ça va revenir. Numéro 1. Ce système va cacher. Je suis fiché quoi maintenant. Quoi. Oh, le mec, il est fiché quoi. Après la vidéo mode, laisse tomber quoi. C'est ça. Non mais c'est bon, il avait déjà perdu toute fierté auparavant. J'aurais tout fait quoi. J'aurais tout fait avec toi. J'ai cassé du coup. Grâce à toi, Bleach, Saucisse n'a plus aucune fierté pour lui. Tu peux me dire merci, je te dirai de rien. Merci, Bleach. Pas de rien. De rien. Bon, bah là, en tout cas, je pense qu'on va se quitter là, les amis. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va se quitter ici. Oui, on peut se quitter là. Oui, parce que finalement, on va tourner en rond sur un parking, ça m'intéresse. Voilà. Puis on va parler pendant 3 heures. Si on continue, on est prêt à parler pendant 3 heures, donc on va s'arrêter là. Ce que je peux faire pour la fin, c'est montrer un petit peu le dos de Barbara. Ouais, moi je monte le dos. Comme ça. Le dos, les fesses. Le dos et les fesses. Et pour les autres, le dos de saucisse. My God. Ah oui. Voilà. Attends. Et puis le devant, c'est saucisse. Voilà. Le problème, c'est que t'as vraiment un cul plat. T'as vu. Terrible. Peut-être garde Barbara un peu de. T'as ton sim qui te rentre dans les fesses. Ah, ouais. Mais c'est ça te fait limite un. Bah non, mais c'est dans. Enfin, c'est le cuir hein, dans le camion. Et moi, Barbara, ça se passe comment chez moi? Ah, bah c'est un peu quand on est un peu transpiré quoi. C'est ça qui t'entretient. C'est normal. Okay. Ah, écoute, avec tout ce qu'on fait en sport, c'est chaud quoi. Ouais, c'est vrai que. Je pense qu'on va se quitter. Bon, en tout cas, les amis, gros sport. Cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. Voilà, puis je laisse ce mot de la fin. Déjà, on va commencer par Marcus. Tiens, allez, Marcus. Bah, j'espère que ça vous a plu et j'espère que vous irez voir le point de vue de mon ami Blitchou pour voir ma magnifique tenue. Tout à fait. T'as vu comment je te fais de la pub? Ah ouais, putain, franchement, t'es trop gentil. Grosse tenue en plus. Tu auras 10 euros. Grosse pub, attention, là. Saucisse. C'est pris en gaming, quoi. Oui. Alors, vas-y, le mot de la fin, saucisse. Bah non, j'espère que ça vous a plu. Voilà. C'était marrant, comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Et puis, Barbabule. Bisous. Voilà. C'est tout. Gros mot de la fin. Ah, tu mentes Non. D'accord. Voilà. Non, mais elle a déjà dit suffisamment de choses dans la vidéo. Voilà, j'ai dit trop de choses. Leur relation avec Marcus et Barbara. J'ai dit trop de choses. Bon, allez, salut les amis, ciao, bye bye. Ciao. 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 Bye bye. Da da. Ya. Ya da. Ya da. Ya da.